voulez vous jeter ? Quoi ? Si vous voulez rejoindre les profondeurs d'Ashina, alors vous feriez mieux de vous y jeter. Par ici, les profondeurs d'Ashina sont par là. Eh ben salut, bienvenue pour la vidéo Les profondeurs d'Ashina, c'est parti. On a écouté une vieille folle hein, quand même. Oh, que dalle! C'est même pas censé savoir où je vais. Ça se trouve, c'est clairement pas de mon niveau ici. J'aurais pu mourir si j'avais pas eu de réflexe. Qu'est-ce que c'est ça? Sérieux? Ok, on va commencer à avoir des sbires, des mobs là. Putain, je perds de... Oh, mais je retombe là où j'étais, c'est ça? Non, c'est une nouvelle idole. Ouais, idole du sculpteur trouvé. Donc là, on est dans les profondeurs d'Ashina. Bah voilà, hein. Je vous l'avais annoncé, les profondeurs d'Ashina. Ok, on a dû tomber exprès dans un trou pour retomber dans un autre trou. Putain, ce jeu est tellement complet, tellement... Il y a tellement de zones, en fait. Parce que regardez, si on fait voyager... Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je suppose qu'on peut en rajouter... 3. Ouais, on rajoute 3 zones et en plus il y a combien? Par zone on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parties, 3 zones. Donc voilà, hein, c'est pas mal. Hein. Ça va être vraiment long en fait au final. Hein. Par contre je sais pas où je suis tombé. Putain. Mais merci, pas une profondeur d'Ashina. Ok, ça va être bien crado. C'est avec les morts vivants et tout ça, c'est ça? Toujours ça, on arrive dans une zone et la question c'est de savoir... On a le niveau ou pas? Donne-moi ton pain béni. Morceau de magnétite encore. D'accord. Je fais le débile. Sérieux? Oh. Bah, si les sbires me font ça, c'est que j'ai pas le niveau aussi. Mais c'est de l'eau empoisonnée, d'accord. Enculé, mais... Oh, le bâtard! Comment ça fait mal! Thank you.
Oh, c'est... J'ai pris une Thanas. Ouais. Bon, bah, je vais pas vous faire les profondeurs maintenant. Hein. Je vais attendre et revenir là-dessus. C'est juste pas possible. Voilà, vous avez juste découvert la zone. Hello, hello. On est dans le château d'Ashina. J'ai trouvé encore un autre passage et des passages partout. En fait, je vais pas faire le château, je vais faire tout autour, quoi. Là, vous voyez, cette point de sauvegarde du château d'Ashina, là. Si, là, on... je sais pas si vous voyez le point bleu. Bref, là, vous faites le tour, tac, avec le grappin que vous avez ici. Hop. Et là, on est dans une nouvelle zone, encore. Il paraît que c'est toi qui as mis l'armure à ce gros gaillard de l'unité Taro. Ouais, il était pas content du tout. Ça a été un boulot horrible. Mais on dirait que ça a payé, non? Il était déjà énorme et très fort. Et grâce à toi, il est pratiquement invulnérable aux lames. C'est vrai, mais il aime pas cette armure. Et il a vraiment pas aimé que je lui mette. Et au combat, je parie qu'un adversaire rusé saura lui arracher dès le début. Lui arracher, ok, on va essayer, mais bon, ça va pas être donné. Hein. Parce que ça, c'est sûr, c'est... Ça va être encore un mini-boss. Clé de la loge, la clé d'une salle de cartes de samouraï située dans le réservoir d'Ashina. Non loin du puits où était gardé lui. Celui-là est entreposé dans le plus grand des respects, la carte brisée du démon Gyobu. Bah, on va aller voir ça alors. Ah, il y a des ralentissements quand même. Alors là, vous voyez, si vous prenez à gauche, tac, vous pouvez prendre là. Hop, pour venir de là où je viens. Hop, il y a les clés de la loge. Et paf, ici... C'est pour tomber sur le réservoir d'Ashina. J'ai déjà ouvert ça, non? Attendez où je vais, moi. Ah, alors là, vous voyez, c'est là où... c'est là où je suis tombé pour le réservoir. Voilà, c'est là. Hop! C'est là où il y a cette lance. Donc la loge, elle se trouve juste avant le shinobi solitaire, ici là. Non? Merde, faut que je trouve cette porte, ça me dit quelque chose. Ou alors je l'ai rêvé, mais ça me dit trop quelque chose. Pop hop. Voilà, je savais que ça me disait quelque chose. Ça va être un éclat de... voir la corne de Gyobu, mais... Corne brisée, c'est blanc ce que tu faisais. Gyobu Masataka Oniwa! La corne brisée peut être insérée dans une prothèse de shinobi pour devenir une petite prothèse. Oh cool! Ah cool! Une nouvelle prothèse. Allez, c'est parti.
Oui, j'ai besoin que tu m'adaptes un nouvel outil de prothèse. Lance chargée. Des chaînes des attaques testoc à distance. Les ennemis légers touchés par attaque sont attirés par l'utilisateur. Cette arme peut même arracher les armures. Oh oui. Ça va être le boss qu'on a entendu avec les deux mecs là. Putain de pont. On va y aller, on va le faire ce mini-boss. Allez. Vidéo mini-boss, armure, arrachage, démembrement. Bon, ça se trouve, il va être badass et je vais me faire éclater le cul, mais bon, c'est pas... Allez, on retrouve nos deux pépères, là. C'est la merde. Putain, lui avec sa cloche là. Caché parce que je vais pas pouvoir le tuer sinon. De là-bas on voit les, le 7 lance. Donc en fait c'est ce qui permet d'arriver comme ça. Alors que nous là on va arriver en frontal. Je sais pas si je peux. J'arrive parce qu'avec sa cloche il est horrible. Voilà. C'est pas un mini boss, hein, mais. T'es relou à tuer. Non, un point de sauvegarde? Ah bah parfait. Là ça sent le mini boss. Une idole du sculpteur, pas un point de sauvegarde. Je communie avec. Art de shinobi ou art de prothèse. Ah oui, si. Voilà. Suppression de la présence. Suppression de la présence, pardon. Pour le... Non. Où vous trouverez les morts. Vous trouverez les pilleurs de tombes. Allez. Une perle de chapelet. Ah, bâtard. Oh yes. Fragment masque dragon. Un ancien masque de danseuse a été brisé en plusieurs morceaux. Va falloir se faire des masques. Ok, c'est bon tout ça. Les morts ou que vous voyez. Une petite perle de chapelet, c'est bon ça. On est d'accord que si ça sent le mini boss. Je m'équipe avec la prothèse qu'il faut. Je
Ouais, ils m'ont pas encore touché, mais... Ils sont pas durs à tuer, eux. Il y a un gros là. Non, ça. Oh, m'aspire ma vie, c'est ça? Masse rouge, tiens merde, j'ai pas... Je passe attention quand même, parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Que faites-vous ici? Ah, vous êtes peut-être un shinobi? Dites, vous n'êtes pas bavard, n'est-ce pas? Dans ce cas, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Adieu. Que... Ah, vous êtes peut-être... C'est ça. C'est ce que je pensais. Accepteriez-vous de me rendre un... Je m'appelle Dojun. Voilà où je veux en venir. Médicament de jouvence ? Ceci est une lettre que j'ai reçue de mon maître. Les détails sont contenus à l'intérieur. Une lettre tachée de sang de Dosaku, le chirurgien du donjon abandonné. Nécessaire un homme robuste, de préférence un maître samouraï ou un jeune soldat. Ne doit pas être blessé. Ok, d'accord. C'est bizarre. Ils sont pas compliqués à tuer, heureusement. Poudre de témérité. J'étais comme un gros sauvage là. Non. Ben voilà. Je me repose, comme ça tout le monde revient. De témérité, mais oh bah lui il est aveugle. Ah oh, c'est le le gibier montagnier du jeu quoi. Ah oui, j'allais oublier ça.
Toi, t'es mort, t'as voulu me tuer? Oh putain. Je suppose qu'il y aura le mini-boss après derrière. Faut bien se mettre la lance. Ouais. Oh. Ah bah à l'époque, il savait faire des ascenseurs. Ça va être derrière moi, c'est sûr. Ah non. Ah, j'ai tellement l'habitude de... Oh. Oui, vous. Ok. Ça fait peur. Je vais me reposer alors parce que là... Ça fait pas envie quoi. Où êtes-vous tous partis? Que Kotaro. Devenir? Salut Kotaro. Pourquoi pleures-tu? Tout le monde est parti. Je suis seul. Qui ça, tout le monde? Tout le monde? Tourne, tourne, des fleurs rouges et blanches. Une seule fleur blanche pure. La ok. Fleur blanche pure. Quoi? Oh, désolé. Je sais pas du tout ce que je dis. C'est juste que je dois trouver la fleur blanche pure. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Ok. Ah, qu'est-ce que c'est ça? On est au temple des moines Shaolin. Ah, mais ils sont pas. D'accord. C'est pas des. Ah la vache, ce ravin. Ah oui, effectivement. Vaut mieux, hein. Ça évite comme ça d'avoir des moines méchants en fait. Alors. Ah, on peut. Je le sens pas cette histoire-ci, de pas voler à cerf-volant. Ah ouais. Ok, je sais pas ce qu'on peut faire avec le cerf-volant, mais bon. Waouh. Plein de trucs à découvrir. Hein. C'est quoi ce truc blanc là? Alors normalement... Oh putain! Elle serpent, c'est la mue du serpent. Ah ouais. Ouais, non, mais j'y vais pas, moi.
J'ai déjà flippé ma race la première fois avec le serpent. Donc faut se méfier des moines, mais j'ai pas croisé du coup le mec à l'armure. Ok, ça va. Ça peut aller. J'ai connu pire. Salaud, va. Ah oui, ils sont plus durs quand ils ont une canne. Combien ils sont? Ouais, la lance, ça fait bien mal. Ils sont vachement nombreux, non? Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc moi, je vous laisse ici. Merci d'avoir suivi cet épisode. Les pouces sont toujours disponibles en bas de la vidéo. Allez, ciao, ciao!